Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Hey, y'a plein de petits potes, c'est vrai coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale, y'a aujourd'hui une nouvelle vidéo simplement pour simplement maxer un deck. Voilà, comme vous l'avez vu dans le titre. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Ah, merci. Voilà, donc voilà, ça c'est le deck de malheur comme je l'appelle. parce que bah simplement c'est l'article, si vous connaissez mon adoration pour ce deck, mon love. Bref, on va commencer par maxer tout de suite cette pompe, voilà. On l'a niveau 13. Je suis pauvre en pièces, ça y est. Et on part en ladder avec simplement. On est bas les gars, on s'en bat les couilles. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir en live. Je suis en live tous les soirs, une semaine sur deux, simplement. Ouais, donc on peut commencer par un petit Arkix. Ah bah voilà, nickel, un petit Arkix. Là, il a plus de tour, genre. Ok, un mec une chevue en plus. Et bon, au moins c'est fait. Je mets de la mousquetaire plus la Tess. Il y a vraiment des petits squelettes aussi. Il y a beaucoup de golems hein, d'ailleurs. Oula. Les squelettes ils sont toujours là. Mettre un petit checheux. Tac, nickel. Pour prendre pas trop cher. Enfin, il avait quand même des dégâts, mais bon, on en a ni plus, donc tant mieux. Bon, comme il a plus de foot, je pense que je vais m'installer en pompe. Ok, alors attendez, on va voir ce qu'il fait, ce qu'il va le défendre. Il veut avec quoi hein. Il cache un bûche. Je sais pas si la snowball va suffire. Hein. On va voir ça. Yes, ah ouais, la snowball, ah, ça. Bon, ça suffit, on va prendre un coup. Il met des squelettes, et là, il va recycler malheureusement à son golem, mais on aura de l'Elex. Ouais, là, on a l'Elex, là. Ouais. Ouais, j'aurai assez, je pense. Ok, j'ai pile poil ma Tesla. On va garder un petit peu d'Elex, au cas où il nous chie un QQ. Ça. Là, pour une bonne mousquetaire. Je vais aller faire le taf. C'est d'éviter l'explosion de golem. Ouais, je l'ai. Ouais, alors là, j'ai plus parti. Bon, comme il y a encore plus de fou, je vais mettre une deuxième pompe. On a rien à XF2, donc ça va. J'ai l'impression qu'il a un golem cycle, hein, mais bon, c'est peut-être que moi, mais bon. Ok, on a deux bombes sur le terrain, on est très très bien, il défend. On va juste mettre des petits squelettes, et là, il a, je suis quasiment sûr, à 1500 par cyclé. C'est un sorcier. Hop. Et très bien, golem. Bon, un peu l'over défense ce golem. Voilà, je vais mettre une petite snowball là pour pas prendre des dégâts. Prenez des petits queues aussi qui peuvent être pas mal pour prendre vraiment zéro dommage. Et là, on peut directement repartir en Arkix Tesla, les gars. Hop. Et là, c'est que son golem sec. Vous voyez, il pourra jamais leur. Ah, vous voyez, c'est là. Mettre une petite chebu, tac. Pour assurer la tour. Ok, là il va forcément tenter, ouais, il va faire ça. On va partir en Arkix, en tout cas je sais qu'il a plus d'Elex. Voilà, on va mettre de bons dommages. Tenter, mettre un petit goal. Je vais mettre quoi pour des... Mini P4, très bien. Attendez, je peux tenter un petit coup de truc comme ça, par exemple. Ça va suffire, mais ouais, ça suffit, parfait. Ok, on va être bon dommage. Alors là, pour la défense, pas trop comment je vais me démerder, mais on va se démerder, les gars. Peut-être la vie, vite. Oh, je l'ai raconté. Là, c'est clairement la sauce. Ok, c'est bon.
Défense validée pour l'instant. Game est ultra serré. On va mettre une. Et on va mettre une thèse. On va protéger la thèse de Shiki. On va mettre des petits skulls. Les skulls qui vont être sur mon mousquetaire, faut que je la touche bien. On peut mettre une deuxième mousquetaire qui peut être pas mal. J'ai besoin de snowball, oui, j'ai clairement besoin de snowball. Il faut juste que je tienne la def, les gars. En fait, là, 30 secondes, faut que je tienne la def. Tout ce côté était nul à chier. Je vais mettre un artiste def, là, on va passer à l'artiste def, là, non. Mais très bien, mais il faut. Continue ce que terre, tac. On va faire venir ça ici. Il n'aura pas le temps de tirer si qu'une foudre, on a win. On a bien spam, on a quand même bien mieux joué. Après j'ai un deck Gwen Second, mais let's go, c'est PS. On gagne cette première game, c'est pas très compliqué, j'ai pas vomito. C'est pas très compliqué. Ok, bon, on gagne la première game. Je vous le dis, c'est un deck de malheur, hein. Je sais pas si on peut plus, donc c'est ouais, bon, mieux plus dégagé en même temps. 6-1, voilà, c'est pas ouf. Prendre Bruno. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il nous joue, Bruno? Alors, tous les joueurs jouent ce deck. Mon deck est con, mais t'es toujours un peu plus. Parce que, si t'as une roquette, au moins, il peut pas la toucher. Genre, touche la tour et clairement y aller. Tac. La snowball, la pompe m'a donné des dégâts. Voilà, j'ai un trou de terrain. Ballon cycle, les gars, c'est du gâteau pour vous. C'est du gâteau. Il a rien pour d'être un artiste. Et il a rien pour chercher la pompe, il a pas de gros sang, il a qu'un mineur. Mais juste après, je suis le mineur H38. Et il a recyclé par contre. Et il a recyclé. Bon. Et chaud pour détruire. Ok, là. On va en mettre une dans tous les cas, c'est pas grave. Il vient d'en détruire une et il y en a une autre. C'est pareil. Ok, bon, on va juste mettre une snowball pour def. Juste peur qu'il nous. Bon, ah voilà. Parfait, c'est marrant là. Let's. Petit snowball. Par contre, du coup. Ok, c'est pas grave, on en repose une nous. Oh, je suis mort, à chaque fois qu'il en a détruit une nouvelle quoi. Nexia x2, bah j'ai jamais pouvoir tout ce que j'ai fait des pompes. Hein. Je pense que j'ai fait une collection de pompes avant de commencer à vraiment attaquer. Pourquoi je me sens mon scooter parce que. Ah bah ça c'est pas long. Ah, en fait à chaque fois je dois snowball pour être. Oh la mousqueter. Oh il a bien joué. Oh il a bien joué, oh il a bien joué. Quoi? J'aurais pas vu. Ok, tu détruis peut-être ma pompe, mais là, un avantage très conséquent en termes d'élixir, il a aucun gros sort en fait. C'est l'avantage, c'est qu'il a pas de gros sort. Et moi, de toute façon, en tous les cas, je vais snowball pour protéger ma Tesla. Hop, nickel. C'est pas grave, dès qu'il y en a plus, il y en a un autre, les gars, c'est ça l'article. Et le spam! Ah, bah là, il y a mis un très beau queue de fruits là. Ah, mais là, moi je vous le dis, les gars, je vais pas le laisser respirer, monsieur là. Hop, hop. C'est pas grave. Ok, il a touché. Je crois même pas qu'il est touché. Les gars, dès qu'il y en a plus, il y en a un nouveau. C'est ça la devise de l'artiste. Je viens de l'inventer. Hein. Oh le con. Allez, là, il va se poutrer là. Il a bien joué, pour l'instant il joue bien. Pour l'instant il gère très bien son deck. Alors là c'est le moment où je pense très grave. Fais gaffe. Ben... Ah ouais, là c'est la catastrophe à dalle. Moi je me souviens de ça. Voilà, il y a plein de soucis. Ok. Vachement bien. Attends, il va très chaud.
En fait, il défend trop facilement. On n'a pas les mêmes articles. Niquer, c'est ici. Allez, gars, l'arc X égale BM, vous connaissez. On vous la fait plus. Let's go, let's go, les gars. On a eu un sprinter, hein, faut se calmer. On a battu un jour 6000 trophées là. Ah ouais, il était bon quand même, hein. 6300. Ouais. Enfin, après, il y avait un bon deck, mais ouais, non, j'avais un sprinter. Oh les gars, là moi je vous le dis, il y a un truc qui s'appelle la spéciale, les gars, c'est ça. First play, vous mettez RX test live et puis... Il y a une petite chebu et ça défend complètement rien. Oh, en plus on crochette pas l'arc. Hop, et puis l'arc. Et voilà, ça connectait à la tour, GG, well played. Mais attends, j'ai pas posé sur l'arc, ça sert à rien. Hop, petit pour aller à tempo en tant que gobelin. Bien. Ok. Et son zizicoptère. Très bien, on va mettre une seconde plutôt comme ça. Et on prend un pouce. Attendez, je vous cache, cochon royal. Normalement, il a une BDF. Mais normalement, il a peut-être pas de gros sort. Il a une BDF. Bon, il a mis ses reculs en même temps, on a eu de la chance. Enfin, ouais, de la chance. On a eu le BD. Merci. Alors. Ça, c'est la BD. Ouais, je vous dis là, il y avait une valide BDF là. Oh, c'est le tour du roi. Oh, ça c'est le tour du roi. Let's go. Ouais, alors je me suis mis bon là parce que là c'est la D. Ok. Ah, ça va. Heureusement que la tour du roi était activée parce que là sinon j'avais plus de tour. J'avais plus de tour. Bon, alors le matchup je le connais pas parce que je vous avoue, je suis pas un joueur Arkix. Contre les joueurs Arkix. Peut-être les. Le mec, l'Arkix soit les 6 pieds sous terre, j'ai pas voulu. Ok. On va remettre la pompe. C'est parti, on va les jouer tout ça, j'attends. On fait attendre un petit peu. Hein. On va... Même si on leak un petit peu, c'est pas grave. Hein. C'est vraiment pas grave de leak un petit peu. Pas des petits queues ici. Ça c'est la D là. Bon, les gars, là si j'arrive à défendre, je m'en fais du. Hein. Là je sais pas comment défendre. J'ai pas de là, je n'ai aucune idée de la défendre. Double mousquetaire, voilà, il y a une valeur de BDF incroyable là. Voilà, il y a une BDF, elle était gratte à cette BDF. Ok, bon là du coup. Du coup, on peut faire la spéciale. Évidemment, réveil, chebu, tout ça, on peut mettre un petit cheu aussi. Avec des petits skeuts, on essaye de protéger un maximum notre Arkix. Ouais, ouais. Et bon, là, très bien, il met le snowball, il met un inertie, on va aller snowball tout ça, et là, on fait sur l'Arkix. On va plus musquetaire, dès que l'Arkix meurt, on en remet un. Dès qu'il y en a plus, il y en a encore. On va appeler la délice de l'Arkix. Hop, la mousquetaire qui a fait le taf. Enfin, la mousquetaire qui nous met vraiment bien sur ça. Ah non, ah. Elle a pas tapé, mais c'est et mon Arkix qui est encore en vie, ça c'est cool. On va leur remettre un, les gars. Par contre, faut que je fasse gaffe à ce côté, par contre. Et les épis, on va mettre la Tesla. Hop, nickel. On va les chebu tout ça. Tac. Hop, parfait. Ça c'est cool. Là, je laisse pas respirer. Là, faut pas que je laisse respirer parce que s'il respire. Le problème c'est qu'il faut mettre des Halouf Royaux. On va mettre un Arkix. Les gars, faut pas laisser respirer vos adversaires sur Arkix. Ne laissez pas respirer vos adversaires. Il met une BDF, on va les bûcher tout ça. On va les mettre, on va les mettre en chouchou ici pour pas prendre les dégâts parce que c'est pas contre. Un excès fois 3 les gars. Un excès fois 3 les gars, c'est. Gâteau avec l'Arkix, je vais pouvoir mettre toute la d'avant les ponts. On va les rechebu dans tous les cas. Et on va mettre une bonne snowball normalement. Tac, nickel. Fasse quand même gaffe au côté gauche. Ça peut aller très vite. Hein. Le deck de Wootop. Blanc. Le blanc, aïe.
gobelins, aïe, les gobelins, aïe. Et final BF, mais non, c'est un match très compliqué, le deck de Wootop. Enfin, c'est une version du moins, parce que c'est pas vraiment le vrai deck de Wootop. Version, et c'est ultra compliqué de gagner contre. Parce qu'il a trop de troupes, genre il a les cochons royaux, il a les recrues, comme ça. Voilà les gars, dernière game, on va aller chercher cette dernière game, on va voir si le deck est plutôt bien, pas mal, enfin s'il est nul. Pour l'instant il passe. On va aller mettre un Arc-X first play les gars. Yes. On joue une cage, on peut mettre la Tesla. Oh. Ça c'est bien ça. Ils ont tous le Fever Wars, c'est trop chiant le Fever Wars, parce que ça détruit l'Arc-X. C'est bon. Alors malheureusement pas connecté sur un Arc-X, mais c'est pas grave. On a encore pas mal de temps. Et là ça attendait. Cage, Dark Prince, Superbe. Oh putain c'est du jeu. Oh sa mère. Oh le Arc Hunter qu'il a. Oh, c'est une catastrophe les gars. Une catastrophe le matchup qui. Bah là c'est. Ah ouais là il a foutu ton mapon, il a Jean Electro. C'est la catastrophada les gars. Là normalement que... mais son Jean Electro j'ai. Il met plein. Le mais en fait il a win genre. Il met beaucoup d'Elex hein. Il met beaucoup d'Elex. Mais... à moins. Ah peut-être du golem. Si c'est du golem, c'est mieux. Du golem c'est mieux que si c'est du Jean Electric. Mais normalement c'est du Jean Electric parce que il a pas mis son corps son knight. Alors que s'il aurait mis son knight, bah. On va dire tiens un peu les dégâts. Là, il met une foudre là, une foudre là, une foudre là, une foudre là et. Putain il la met là la pompe. Je sais qu'il golem pas. Ah, excusez-moi les gars pour l'appel Discord. Hop. Ok. Arc-X, Tesla. Alors je vais me faire exploser là. Ah ouais, j'ai là j'ai l'ouvert et là c'est même plus un compteur qui l'a lisé. Hop. A chaque fois que j'ai Arc-X, il a juste à mettre un jeu électrique et c'est bon. Hop, ok, on peut mettre ok, le but. Ah, ça suffit, je peux pas mettre une Tesla. Tac, tout va bien. Toi qui met pas son jeu électrique, je suis safe. C'est toi qui le met pas, ça. J'ai l'air une main Dark Prince. On peut partir en Ice Ball. On met un chouchou de temps. Et là, il y a son jeu électrique. Là, l'artiste, vous allez voir à quelle vitesse il se fait des pop. Genre, voilà, il y a plus d'artiste. Il a disparu. Ça pour aller tanker un petit peu de Dark Prince qui cherche. En fait faudrait que je m'installe mais j'arrive pas à m'installer pour l'instant. Mettre un autre Xbox comme ça. Dark Prince. Tiens, on va aller mettre le chef ici. Ok, très bien de sa part. Et on peut mettre la bûche avec une terre. On va aller mettre ça pour que le baby dragon se part en Thaïlande. Oula. Bon, ça c'est parfait ça. Ça il a mal joué parce que là quand il met des gens des trucs comme ça, il sait qu'il va pas passer. Genre là je sais très bien qu'il y a pas mal de dégâts là. Là c'est, c'est une free défense pour moi, une free contre-attaque surtout en fait. Il faut aller voir plus loin que la défense, faut aller voir la contre-attaque. Là il y a le problème c'est qu'il y a tout en tout pour lui. Ah, il a pas tout. La foot ça save bien. Ok. Pour l'instant il gère. Ouais mais là voilà, là je passe plus là. Là regardez, là il va remettre un agent électro. Je passe pas là. Il a bien défense comme quand. Et là là je ne passe plus les gars. Regardez l'artiste à la quelle vitesse il se fait des pop en fait.
Bon, le lion fou il passe pas, mais il a juste à gratter tout le food. Moi j'ai pas de gros sort en fait. Le problème dans le deck c'est qu'il y a pas de gros sort. Du coup, bah le gars il a un gros sort, bah t'es baisé. Quand t'as un petit que truc comme ça là, c'est pas mal. Non, là il a Hunter puissance 6 milliards, ouais, il a encore son. Sa merde là. Merde, j'ai mis ce que je connais. Tant pis. GG, bon là on est en 2-2, du coup si on est en 2-2. Ok, comme on est en 2-2, comme je suis pas le départager, on va aller faire une dernière game. Bon. Sur cette dernière game, du coup. Ok, contre Big Daddy. Et lui, je vais le. Ok, on attend d'avoir la spéciale et on part en spécial. On va voir qui est. Ah, ouais, lui, elle en a rien à foutre. Lui aussi, ok, joue Mortier Cimetière. Mortier Cimetière, il a Hunter aussi, hein. Mais ouais, ça c'est un détail ça. Encore faire péter les culs. Sa charrette va tellement m'embêter, sa charrette, donc c'est même pas à quel point elle va m'embêter, sa charrette. Même son cimetière en fait, j'ai pas de poison ou même d'archer, tu vois. Et en plus, il a un poison, donc au moment où je vais faire ça, il va poison. Non, il poisson pas, il laisse la pompe là. Pourquoi s'il laisse la pompe? Ah oui, mais là c'est du gâteau pour moi. Ah oui, mais. Oh bah le mortier qui marque. Je vais mettre une snowball. Ok. Mortier, le chasseur qui n'a pas de coup. On est une pompe sur le terrain, ça c'est cool. S'il nous la laisse, ça me va. Une charrette, on va les mettre un Arkis Def. Bon, là, il a quand même un bon poison. Je sais pas pourquoi il pose encore. Poison quand même. Il est raisonnable. Et nickel. On peut remettre une pompe du coup, comme il a plus de poison. Ventum Chebu, tac. Il met. Ah oui, carrément, il va s'en tirer. Mettre les squelettes, tac. Ok, bon. Est-ce que là il n'y aurait pas moyen d'arc? Ok, bon, nickel. Là on se met bien. On peut. Ah ouais, pour la charrette. J'ai hâte qu'il y a des pop. Hein. Tout béno. On va remettre une pompe. Comme il a pas l'air de. Il a l'air de vouloir jouer same line. Il a un beau poison, c'est vrai, mais bon. Moi il a plus de gros sort, c'est déjà avantage. Squelette pour aller tempo. Tac. Arkis Tesla. Tac. Tac. Parfait. Petit snowball pour aller gérer ce mortier. Petit chelou pour aller gérer ce mortier. Matchup que je me tape, c'est chaud quand même. Hein. Oh il met un poison. Oh il met un poison. Et là, regardez, là, je vais pouvoir faire un bleu contre. Faut juste gaffe de pas gâcher mon arc. Comme ça. Là, il a plus de charrette, les gars. Il a plus de charrette. Au moment où il va se mortier, il va se faire défoncer. Allez, c'est pas grave. Hop, la snowball qui gère. Et la Tesla qui est encore en vie. Ça, c'est cool. La Tesla qui fait clairement le taf. On met une gun chebu. Est-ce que l'arc ici? Let's go. Enfin, l'arc qui s'y connecte. Ok, nickel, ça serait bien si elle pouvait die. Genre maintenant, c'est parfait. On va aller chebu ça, on va aller mettre des petits queues. Ouais, c'est ultra cher sur ce barbare, il est ultra casse-cou. Le mortier aussi il est chiant. En fait. C'est un tellement un bon match-up. On va aller mettre un petit cheveu devant. Ouais, à chaque fois il fait les mêmes défenses et il arrive à défendre horrible. La bonne petite chebu de ma part là, je. Mais là c'est. En soi, en fait, le mélange de son fieu barbare et son mortier, sa charrette que je lui ai tout en gère en permanence, c'est horrible. Et là il a, ouais ça. Ok, on va essayer de jouer différemment, on va essayer de construire un push. Ah ouais, là on va faire une bonne construction de push là. Là on va se faire défoncer par un push, ouais.
Oui, t'as fait un artiste YOLO, ouais, non, j'ai besoin. Ok, bon, le deck ne passe pas. Ne passe clairement pas, c'est pas grave. Bon. Le deck pas validé, mais ça reste quand même un deck de malheur. C'est pas grave. Donc, il avait un putain. Bon, là, c'est pris triple Arthunter d'affilée en fait. Avec deux bons match-up et triple Arthunter. Bon, en tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, la commenter, la partager. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était le vrai coup. Ciao.